thank you Bonsoir, comment tout le monde se porte bien Salut, salut, salut YouTube, salut ceux qui regardent cette vidéo en rediffusion et bienvenue, bienvenue dans ce live petit check-up sur le chat pour savoir si le son est pas trop décalé comme d'habitude un hein petit check technique vous me dites si le son est décalé ou pas et, et, et je règle tout ça et je voudrais tout d'abord dire bonsoir au chat salut Team Wildlife, Live salut Divine salut Otman salut Eva Salut wildlife salut Olivier et salut Thibaut, j'espère que tout le monde se porte bien. J'attends que le petit décalage soit là et vous me dites si c'est OK pour le son. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la vôtre. Et bien évidemment, Hightech est là et Rando. L'ami Rando est là, ça fait toujours plaisir de voir les mêmes pseudos apparaître. Moi j'ai un petit décalage, le son est nickel pour l'instant. Ok, yak divine Écoutez, on avance et puis si jamais ça ne vous convient pas, vous me le dites. Le son parfait, il y a un petit calage tout est bon, le son est ok. Bon, il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout, léger décalage. Alors vous savez quoi, on va faire tout de suite un petit truc. Désolé pour ceux qui regardent la rediff. On va faire tout de suite un petit, un petit truc. Léger décalage. Je vais rajouter un petit peu de temps. Je dirais si c'est mieux. Pouf Pouf, voilà, j'ai rajouté 100 000 secondes. En tout cas, bienvenue tout le monde. Vous me dites, c'est les 100 millisecondes, secondes, c'est un peu mieux. Bienvenue. Vous savez quoi, ça me fait énormément de bien d'être là avec vous ce soir. Pourquoi ben, Tout simplement parce que ben, la chaîne a bientôt 3 ans. La chaîne vient bientôt avoir 3 ans, le 31 mai. Et je suis... mais fou euh, en même temps, en même temps, très content. Puis en même temps, ça fait ça fait peur. En même temps, ça fait peur de me dire, est-ce qu'en trois ans, j'ai fait des choses bien Est-ce que je me suis amélioré Est-ce que bon, bref, voilà. J'avais pas trop quoi faire. Et du coup, bah, je vous ai demandé. Hein, je vous ai demandé sur le sur le live. Et je vous ai demandé, euh, allez, dites-moi, dites-moi ce que vous voulez faire. Alors il y a eu 50 votes, je crois, quelque chose comme ça. J'avais proposé éventuellement de se rencontrer. Et puis vous avez plutôt euh, pas eu envie de voir ma tronche et euh, plutôt de faire un live. Euh, c'est chose faite, vous voyez, je, je, je vous écoute, chère petite communauté. Salut Olivier, salut Thibault Navé, salut Julia, ça me fait très plaisir de te voir, Julia, salut. Bon anniversaire, c'est gentil. Alors pendant qu'on y est, vous connaissez la coutume, hein, on ne commence pas un live sans avoir au moins une quinzaine, une vingtaine de petits pouces tout de suite sur le live. Là, clic, clic, clique on appuie sur le bouton, on me fait monter ça, s'il vous plaît, ça aide toujours le poteau Nicolas Faune à monter dans l'algorithme YouTube. C'est chiant, mais c'est nécessaire. Voilà, et ben bah vous savez quoi, du coup il fallait que je fasse un live, et donc du coup eh bien, je me suis dit quel cadeau je peux leur faire parce que ouais, ouais, ouais c'est un anniversaire, certes, bientôt 5000 abonnés, hein, 4996, quelque chose comme ça. Euh, je suis pas très chiffre, hein, mais bon, j'ai regardé tout à l'heure, c'était ah, pas mal, j'étais content. Et quel cadeau je vais pouvoir vous faire, et puis du coup je me suis dit bah ouais, c'est moi qui vais leur faire un cadeau, et pas l'inverse, c'est pas eux qui vont me faire un cadeau, c'est moi qui vais vous faire un cadeau. Et du coup, ben, qu'est-ce que je pouvais faire Eh bien j'avais envie de vous donner quelque chose que ben, j'espère peu, cho peu de gens vous ont donné. Ou en tout cas, euh, si moi je vous le donne, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Pourquoi Parce que ça concerne le pistage, et vous savez que ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du pistage, uniquement 3 ans de la photographie animalière. Et donc du coup j'avais envie eh bien de. Voilà, j'avais envie de, 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 de vous donner quelques petites astuces. Alors, on me dit que c'est saccadé au niveau du son ou au niveau de l'image au niveau du son ou au niveau de l'image Bientôt 5K, j'espère, j'espère. Bonjour Nico, salut Geoffrey, très content de te voir. Euh, donc voilà, j'avais envie de faire un petit cadeau. Et bien tout simplement, ça n'a été pas facile de choisir 10, 10 petites choses, euh, 10 petits trucs, 10 petites astuces. Euh, je les ai triées, voilà, je les ai triées. Donc on va aller dans tous les sens. On va, on va vraiment aller dans tous les sens. On va, on va parler de, de A, on va parler de Z après. Donc ne soyez pas étonnés si on va dans tous les sens. Mais bon, voilà, c'est 10 secrets qui peuvent être peut-être bateaux si vous faites des du de pistage mais il y en a quand même quelques uns bah ben, euh, ouais on, on aime bien garder ces petits ces petits trucs pour soi et puis euh, j'en montre souvent à mes stagiaires d'ailleurs il me semble qu'il y a euh, ma petite stagiaire qui va être là vendredi qui doit être dans le chat je crois je l'ai vu tout à l'heure euh, parce que j'ai un, un stage vendredi et donc voilà je vous partage ces choses là et donc euh, voilà c'était c'était mon petit cadeau vous allez voir 10, 10 petites astuces je vais vous les donner live sans effets spéciaux, sans grosses images ou quoi que ce soit, il y a juste du texte qui va apparaître. Mais pour moi, bon voilà, je vais vous partager ça comme ça. Euh, donc n'hésitez pas bien évidemment euh, à partager, évidemment, à, à donner vos astuces à vous quand vous pistez, parce qu'on ne va pas tout dire, hein, c'est impossible. Et puis, ça reste mon expérience personnelle. Donc, euh, vous pouvez très bien être d'accord, pas d'accord. L'intérêt, c'est de partager nos connaissances pour pouvoir améliorer, pour pouvoir ensuite bah, nous améliorer, nous, protéger toujours les animaux. C'est toujours le but, hein, sans les déranger. Gwini, all timing, j'arrivais justement dans le Colorado et espérais pouvoir trouver des petites choses dans les parcs. Eh ben, tu sais quoi Eh bien, j'espère que ça va être utile. Y'a Rico qui est là. Salut, Rico. À la vôtre. Vous avez vu ce qui marquait Le meilleur des papas après maman. C'est pas, pas n'importe quoi, ça? Non, c'est vrai en plus. C'est vrai, j'ai la meilleure des épouses. Alors, c'est parti. Allez, on est parti pour la première des astuces, les amis. Hop là, c'est parti pour le secret numéro 1. Le secret numéro 1 que j'avais envie de vous partager, donc on est d'accord qu'on est dans le pistage. Le pistage, on est d'accord, c'est de trouver des informations pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé dans l'univers euh, sauvage. On va essayer de comprendre, on est on est comme un détective, on essaie de comprendre une scène, c'est juste un passage, ça peut être juste un événement de vie, puis ça peut carrément être une prédation ou autre. Donc, lorsque vous avez, euh, eh bien, je dirais une, 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 une envie de pistage, il faut toujours se mettre dans deux catégories différentes. Soit vous allez avoir un indice que vous aviez pas spécialement cherché, et puis du coup, vous allez vous dire, bon, bah voilà, cet indice-là, je vais essayer de comprendre quelle information il me donne, soit vous cherchez un indice pour un but précis. Vous souhaitez faire un affût photo, vous souhaitez faire une vidéo, vous souhaitez montrer un animal à quelqu'un. Vous allez donc aller chercher des indices. Et là, c'est pas la même chose, la démarche n'est pas la même. Donc, dans les du secrets, à chaque fois, il faudrait bien essayer de comprendre voilà, dans quelle catégorie on, on se positionne. On a l'info, on en fait quoi On cherche une info, comment on fait pour la voir Voilà, plutôt comme ça. Il y a Sylvie qui vient de nous rejoindre. Rejoindre. Salut Sylvie. Alors, astuce numéro 1, ça y est, je commence. Celle-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Utilisez votre propre poids. Vous allez dire quoi Qu'est-ce qu'il raconte Comment ça se pesait ou quoi Alors en fait, c'est très simple. Mais là, ça va être dans une situation où on a l'information. Okay on a déjà une info. Et vous allez voir qu'on va prendre facilement l'exemple de l'empreinte. Okay Quand vous allez avoir une empreinte et vous voulez savoir, par exemple, sa datation, okay elle est fraîche pas fraîche. Le poids de l'animal, bah oui ça peut être intéressant si on n'est pas très fort, on ne connaît pas trop les, 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 les tailles des empreintes. Tiens, est-ce que c'est un est-ce que c'est un blaireau, est-ce que c'est un fond, est-ce que c'est un chevreuil, un brocard. Ça peut être intéressant de se le dire en mesurant le poids de la trace de l'empreinte, quel type d'animal on a en face de nous. Et donc eh ben, on va utiliser notre propre poids. C'est-à-dire, imaginons un exemple très simple, vous êtes autour d'une flaque d'eau, et puis c'est très simple ça, hein, et puis vous avez un peu de boue. Hein, vous avez un peu de boue, et autour de, cette, de ce morceau de boue, bah, vous avez vu une empreinte. On va dire par exemple euh, un chevreuil. Vous avez reconnu le chevreuil, très bien. Mais est-ce que euh, vous pensez que c'est plutôt un brocard, une femelle ou un petit Le fait de tester vous votre empreinte va vous permettre à peu près avec expérience de cantonner eh bien, le poids de l'animal. C'est-à-dire que, imaginons que on pèse, moi je pèse par exemple 75 kg. Je pose très légèrement ma main sans appuyer dessus dans la boue, ça va me donner une indication. Ça va me donner une indication de tiens, moi, être humain, je pose juste ma main à peine, quelle trace ça fait Et du coup, si jamais vous faites ça avec votre pied, si jamais vous faites ça avec un caillou ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir quantifier la pénétration eh bien, de, 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 du membre dans la boue. Et ça vous permet plus ou moins de quantifier eh bien, le, le geste, la pâte, euh, euh, le poids de l'animal. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faisiez régulièrement, mais c'est très intéressant de faire ça. Et on peut commencer. Enfin, au, au plus, au plus vous allez avoir l'expérience, au plus en fait, eh bien vous allez vous rapprocher physiquement de la trace et vous allez utiliser votre main. C'est-à-dire qu'au début vous faites le avec le pied, hein, tout simplement vous dites tiens euh, ce cochon là, euh, j'ai une trace de sanglier, euh, il m'a l'air super lourd quand même, euh, quel, est, euh, quel est son poids, est-ce que c'est un gros mâle, est-ce que c'est une femelle, est-ce que c'est un petit, etc. Et vous allez tout simplement eh bien, marcher, marcher à juste à côté sans, sans, sans euh, aller directement dans l'empreinte hein. et vous allez vous dire bon bah voilà moi je pèse 75 kg, une... je marche normalement, hop ça me fait une trace comme ça, ok. Et eh bien là la trace elle est aussi profonde que moi, ah intéressant elle est beaucoup plus légère, mmh, intéressant aussi. Euh, elle est plus large, plus longue, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et si par exemple, à un moment, vous voyez une, une empreinte qui va aussi profonde que vous, euh, bah, c'est quand même un gros animal, hein, on est d'accord. En plus, si vous avez tout le barda, etc. Quoi. Il y a Philippe qui nous rejoint, salut Philippe. Et Ludivine qui me dit, ah oui, excellent, je n'avais jamais fait ça. Bah, tu vas voir, Ludivine, à partir du moment où tu, tu commences à, à faire attention à ça, tu t'éclates. Tu t'éclates parce que tu peux te dire euh, plein de choses comme ça. On est d'accord que là, on parle uniquement du poids. Mais après, il va y également avoir le mouvement. On verra ça dans un, un des autres secrets parce que, bien évidemment, quand vous courez ou quand l'animal court ou trotte, euh, l'impact et la vitesse et le temps auquel sa patte va venir sur la marque n'est pas le même. On est d'accord que si je reste stagné sur euh, ma, ma flaque debout et je reste dessus, bah, ça n'a pas le même impact que si je marche, que si je cours, que si je trotte, que si je saute dessus de très haut. Voilà. Donc, ça, il faut y faire attention à ça. Mais bon, bon c'est aussi, euh, aussi important de, de bien le notifier. Donc, voilà. Utiliser votre propre poids, c'est intéressant. Geoffrey, après ça dépend aussi s'il marche ou court. Bah, tu vois, on se rejoint. On se rejoint exactement, Geoffrey. Et au plus vous allez connaître cette astuce-là, au plus vous allez utiliser votre main, je disais. Et donc, bah, la dernière astuce, souvent le chevreuil, c'est ce que je fais, vous allez utiliser ces deux doigts-là. Ces deux doigts, vous allez un peu les écarter. Vous allez voir que naturellement, ça va faire un petit peu euh, bien, les traces de l'empreinte que l'on va trouver chez euh, les cervidés, plus ou moins grands. Et faites-le, faites un petit test. Vous allez dehors, vous prenez une marque de boue, vous faites juste ça, pouf, et vous allez voir, ça ressort un petit peu au chevreuil. Et bien bah, rien que le fait... De voir ça, vous allez devoir appuyer, faites une trace à côté et vous appuyez avec votre main pour savoir combien de force vous devez mettre pour faire à peu près la même trace. Et en faisant ça, vous allez comprendre vraiment le poids de l'animal, vous allez comprendre un petit peu tout la, la force physique qu'il va pouvoir avoir. Et bien évidemment, pour ça, il va falloir, et c'est la dernière astuce de ce secret 1, hein, que votre étude d'empreinte se fasse le plus rapidement possible entre le moment où l'animal l'a fait et au moment où. Euh, vous, vous le faites. Bah, oui, parce que forcément, le terrain il peut changer. Donc, si jamais vous faites ça alors qu'il est passé, mettons, euh, hier soir et que vous êtes le lendemain à 5h du mat, ça passe très bien. Si jamais euh, ça fait trois jours qu'il l'a fait, bah, l'impact n'est pas la même. Hein. Le, la boue a peut-être séché, euh, ça a pris un peu plus de volume, il y a eu de l'eau dessus, vous voyez, il peut y avoir des cailloux, des insectes, d'autres animaux qui ont marché dessus, etc. Donc voilà. Au plus c'est frais, au mieux c'est pour cette petite astuce l'idée des deux doigts ben écoute oui ça m'est ça m'est venu tout simplement à un moment pour voir dans un pour expliquer à un enfant en fait ce que c'était je l'ai fait avec le, la, la main je me suis dit tiens c'est bizarre euh, nos phalanges ça ressemble un peu à ça donc euh, voilà c'était l'astuce numéro un messieurs dames allez sur tous ceux qui sont là est-ce que vous le saviez est-ce que vous connaissez cette petite astuce c'est très utile et y qui me dit j'aurais bien aimé tester mais pour en trouver là où je suis faut un peu de, un peu de bouger pourquoi ottman t'es où encore quelqu'un qui voyage D'habitude, on va au Mexique. Là, qui c'est qui T'es où, Hotman Et donc, bon, on est d'accord qu'on est sur un niveau de, de pistage un petit peu... Voilà, c'est pas pour débutants, tout ça. Mais vous verrez que quand vous commencez à pister réellement un animal, peu importe animal, hein, bah, vous allez kiffer de savoir ça. Vous allez kiffer parce que au plus vous allez commencer à avoir une trace fraîche, plus vous allez pouvoir vous dire « Oh, cet animal-là, il est gros !» Enfin euh, euh, voilà, vous allez commencer à comprendre et à rentrer dans un autre univers. Vous allez voir, c'est absolument génial et vous allez pouvoir lire et détecter des informations que d'autres ne pourront pas le faire. Ça, c'est top. Plus vers Paris en ville. Ah oui, effectivement, après, euh, après tu peux t'entraîner sur, euh, sur pas mal de petits parcs, etc. ou de cimetières également. Il y a pas mal de passages là-dessus. Notre ami euh, Thomas euh, de La Minute Sauvage le fait très bien à Bruxelles. Après Bruxelles, c'est une particularité, elle est très sauvage. On est parti pour l'astuce, le secret numéro 2, les amis. Ça vous va c'était le secret numéro 1. Pas de commentaires, c'est parti pour le secret numéro 2. Le secret numéro 2 que je vais vous expliquer, c'est brancher Terrier. Alors celle-là, elle est un petit peu connue, elle est quand même assez connue, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites subtilités. Qu'est-ce que c'est que ce secret numéro 2, brancher Terrier Eh bien, lorsque vous approchez d'un Terrier, okay, et ah, on, on se connaît maintenant, on le sait, on a respecté les distances, on a des gants, mais pas d'odeur. On ne marche pas sur les coulées. Euh, on a un doute euh, sur le fait qu'il soit habité ou pas. On n'a pas de caméra. Bon voilà, on se met dans les bonnes conditions. On soit d'accord, qu'on soit d'accord vous et moi. Eh bien, le fait de positionner, parce qu'on a un doute, deux petites branchettes euh, devant le terrier entre guillemets, mais vraiment de, devant, sur le, sur la gueule, en prenant des précautions de ne pas poser vos mains en prenant précaution de ne pas avoir le vent qui rentre dans le terrier et en prenant des précautions que euh, bien vous voyez bien qu'il n'y a pas de traces de prédation, vous imaginez bien qu'il n'y a pas des petits, etc. Parce que bien évidemment en ce moment c'est le mois de fin avril, début mai, à éviter totalement sur les terrier renards pour éviter de déranger les renardos parce que ça, 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 ça les met leur vie en péril. Pareil pour les bleurotins, même s'ils peuvent être plus âgés. Bref, vous m'avez compris éthique. Donc voilà, vous avez un gros doute, mais vous avez envie de faire ça. Et bien vous pouvez le faire. Par contre, vous prenez des branches ultra légères. Alors pas celles qui... Un coup de vent, ça déménage, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est de les mettre pour que l'animal ne s'en rende pas vraiment compte. Et lorsque lorsqu'il va faire son va-et-vient, -il, il va la faire chuter. Okay ça, c'est quelque chose de classique, vous voyez très régulièrement. Malheureusement, les débiles qui font des, des, du, 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 des pièges, bah, ils utilisent aussi cette technique tout simplement pour pouvoir savoir s'il faut piéger ou pas le, le, le terrier. C'est la veinerie sous terre. Euh, mais vous allez voir que euh, cette astuce là est à mettre avec une deuxième astuce. Il ne faut pas faire que ça. Je vous lis, euh, Geoffrey. J'ai trouvé des terriers près de chez moi, plusieurs l'un côté de l'autre, mais comment savoir de qui il s'agit Alors, ça, Geoffrey, c'est un vaste débat. Euh, ça fait partie d'autres lives que l'on a fait. Euh, si c'est des terriers, ben, il faut simplement trouver une activité euh, euh, vivante, euh, blaireau ou renard, etc. Alors, je vais pas y répondre ici, Geoffrey, parce que ça demanderait beaucoup plus de de travail mais il faut que tu regardes bah, tout simplement du pistage hein. les empreintes c'est travailler pas travailler ça sent fort ça sent pas fort la taille du terrier est ce qu'il y a des pots est ce qu'il y a des empreintes est ce qu'il y a des griffes est ce qu'il y a des mouches etc etc ok euh, alors du coup quelle est la deuxième astuce les amis Eh bien c'est que vous allez prendre quelque chose qui va permettre de ratisser euh, le terrier ok euh, C'est à dire que vous allez prendre quelque chose de relativement bon, une branche ça passe, hein, mais plat et euh, bien droit, et vous allez entre guillemets faire un petit ravalement devant le terrier, mais avec quelque chose de naturel, pas votre main, hein. donc une branche, n'importe quoi, et vous allez gratter comme ça, et vous allez essayer que ce soit le plus, euh, le plus euh, plat et en tout cas le plus rectiligne possible comme Si on avait jeté euh, euh, un enduit de lissage, quoi, quelque part ou, ou de la farine ou du sable, et donc, bien évidemment, en plus de ces deux branches, bah, ça va permettre tout simplement d'identifier qui vit là et surtout s'il y a de la vie ou pas. Parce qu'entre un oiseau qui ne fait que passer, euh, entre un chevreuil qui ne fait que passer et entre vraiment des allers-retours, bah, vous allez trouver facilement en fait bah, les, 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 les animaux qui passent et qui font des allers-retours. Oh, C'est comme si on était devant chez vous, devant votre maison, je vous mettais euh, deux mètres carrés de sable bien fin, bien tassé, euh, vous faites vos allers-retours, euh, etc. Je reviens le lendemain, je vais voir vos traces d'empreintes, etc. Voilà, c'est ça l'intérêt. Mais à mettre avec les branches devant le terrier, tout simplement. Philippe qui me dit, je passe à table, je regarderai en différé. Merci pour tes vidéos et ton partage. C'est gentil, Philippe. Merci d'être passé. Et puis, bah merci tout simplement. Et puis, bah, bon appétit. Donc, voici le secret numéro 2, messieurs, dames. Ludy, je connaissais la technique de la branche, mais pas la deuxième technique que tu racontes. Bah, la première, en fait, si tu veux... Euh, tous les gamins vont le faire, tous les, euh, les saloupiots qui ont envie d'embêter de, euh, vont le faire aussi, d'ailleurs des, des grosses branches euh, souvent. Euh, mais euh, voilà, tu fais cette petite astuce. En plus, avec la deuxième, c'est voilà, tu ne peux pas te tromper. Tu peux vraiment pas te tromper. Quand on sait qu'un blaireau peut faire jusqu'à 20 kg, euh, un renard 15, voilà, une petite brindille que tu, que tu fixes bien en haut et en bas, il va la casser, il va la déplacer. quoi. Une martre, une fouine va plutôt se déplacer, une chauve-souris ne fera rien. Euh, les petites souris, les petits mulots ne feront rien non plus. Donc, l'intérêt, c'est de voir s'il y a du gros bestiaux ou pas dedans. Euh, Hotman, je connaissais les deux astuces perso. C'est très bien, Hotman. C'est que tu as un niveau de pistage intéressant. Bravo à toi. On arrive sur le secret numéro 3, les amis. Secret numéro 3 que j'avais envie de vous partager. Eh bien, écoutez, c'est étudier les coulées. Vous allez me dire, bah, Nico, étudier les coulées. Bien évidemment qu'on étudie les coulées. Oui, oui, d'accord. Mais le mot étudier, il n'est pas là pour rien. Je ne vous demande pas de regarder. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de l'étudier. À chaque fois que vous voyez une coulée, qu'est-ce que vous faites, franchement Est-ce que vous ne vous mettez pas juste là en disant Oh, tiens, il euh, y a un point A, il y a un point B, il y a une coulée. Bon, bah, ça doit être par là. Et puis c'est tout. On est d'accord que le niveau 0, niveau on va dire que c'est ça. Eh bien, le fait d'étudier une coulée va vous permettre d'avoir des tonnes d'informations. Alors, essayez d'en prendre une belle. Hein, une belle avec des belles formes, et vous êtes sûr que, un, on est d'accord qu'on évite le côté, c'est pas humain, c'est pas un vélo, c'est pas un quad, euh, c'est pas euh, je ne sais quoi, enfin bref, vous avez compris que c'était animal. Alors, étudier une coulée, c'est quoi eh bien, vous allez déjà vous, vous mettre accroupi, hein, puisque la plupart des animaux ne font pas notre taille. Vous allez regarder à peu près la largeur. À peu près la largeur. Imaginons, on va prendre une coulée simple euh, au milieu des hautes herbes. Voilà, c'est la plus simple. Et puis, vous allez étudier la largeur. Ben oui, parce qu'un renard ne fait pas la même largeur qu'un blaireau, qui ne fait pas la même largeur qu'un chevreuil. On va prendre ces trois-là à chaque fois, ce sera les plus simples. Ce sera d'ailleurs une, une coulée. Pourquoi est-ce que c'est ces coulées-là les plus simples à trouver Tout simplement parce que c'est les oiseaux les plus lourds, les oiseaux. Les animaux les plus lourds, un cochon, etc., les plus larges. Si vous étudiez une coulée d'un mulot, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord. Donc voilà, vous allez étudier la largeur. Ensuite, la hauteur. C'est plus compliqué, parce que là, il faut étudier les hauteurs des branches et des hautes herbes à côté. C'est-à-dire, vous prenez des hautes herbes qui font 40 cm, vous voyez que, bon, elles sont écrasées, certes, mais vous voyez que c'est uniquement celles qui font 20-25 cm qui sont écrasées. La plupart du temps, vous dites, ah tiens, donc l'animal fait à peu près cette taille-là. À peu près, on est d'accord, ce n'est pas une science exacte. Hein. Euh, si jamais c'est de l'herbe, par exemple, qui fait 10 cm, bah là c'est embêtant puisque normalement, si c'est un animal lourd, il y en a beaucoup d'herbes qui vont être écrasées. Euh, si c'est un animal haut, pardon, plus, plus que 10, il y a beaucoup d'herbes qui vont être écrasées. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir des coulées sur les, les choses grandes, hein, les, les grands lierres, les grands hautes herbes, les champs, etc. C'est là que c'est intéressant. Bonsoir tout le monde, salut Michel, très content de te revoir. Salut Michel, on est déjà à la troisième astuce secret de pistage et à Valerian qui est là. Salut Valerian. Donc voilà, on a étudié la largeur, on a étudié la hauteur. Vous allez regarder également le sens du pliage, bien évidemment, ça c'est basique. Vous regardez si ça va plutôt vers l'avant, en fonction de l'endroit où vous êtes, et ça va plutôt vers l'arrière. Bon, ok, ça vous montre plus ou moins le chemin. Et puis quand vous avez les deux, bah, vous savez que les animaux font les allers-retours. Donc là, c'est carrément, euh, c'est pas un sens unique. Quoi. Vous faites attention au vent aussi quand vous étudiez une coulée, puisque si le vent est fort, il peut relever des brindilles comme il peut les coucher. Pour faire attention à ça. Ensuite, vous allez regarder dans cette coulée euh, la zone où c'est aplati. Je m'explique. Lorsque vous prenez un chevreuil, le chevreuil sur des hautes herbes, on est d'accord qu'il va écraser avec ses pattes lorsqu'il va marcher, mais son ventre, lui, ne va pas écraser les hautes herbes. On est d'accord qu'il va juste les pousser légèrement. Et ça, c'est typique. Donc, généralement, sur une zone où de coulée de chevreuil, on va dire uniquement chevreuil, vous allez voir que c'est un peu, un peu caractéristique. Vous allez voir. Eh bien, les hautes herbes écrasées sur deux endroits comme ça, celle du milieu aussi, mais un peu un peu moins parce que c'est uniquement le ventre qui va venir frotter. Et vous avez vraiment l'impression que ben euh, c'était comme si c'était deux petits animaux qui faisaient des rectilignes comme ça, avec celle du milieu un petit peu aplatie. Et eh bien ça c'est un chevreuil. Si vous prenez un blaireau qui sera le plus bas du ventre on va dire de nos amis, et eh bien c'est au contraire là on va plutôt être sur du sur du 20 kilos, donc assez costaud. Je parle du gros du gros mâle et les pattes relativement courtes et là le ventre relativement proche du sol. Donc là vous avez vraiment des hautes herbes qui vont de manière assez rectiligne être bien 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 écrasées avec des points de fixation au niveau de ces empreintes de ses pattes 1 2 3 4 un peu plus et vous allez pouvoir avec l'expérience voir le ventre qui frotte et voir l'endroit où les pattes passent. C'est intéressant. Donc quand je dis étudier une coulée, c'est ça. C'est euh, pas que euh, juste il y a une coulée quoi. C'est se dire tiens quel animal est passé. C'est pour ça. On a Rando qui me dit euh, Sébastien salut Seb, bienvenue. On a Rando qui dit en allant au maurice je suis tombé sur une coulée de mmh, servidé du coup je suppose peut-être cerf. Daniel bonsoir à tous salut Daniel. On est d'accord pour le fait d'étudier les coulées ça vous va ça vous parle est-ce que vous avez déjà appris des choses j'espère que vous avez mis des petits pouces à la vôtre. Et on est déjà, déjà, on passe déjà à, au secret numéro 4. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des astuces euh, Ça va, top. Je prends des notes. Ludi, <laughs> Ludi, tu vas me faire rougir. Je ne suis pas un maître du pistage. C'est très gentil, merci. Pas de haute herbes en forêt l'hiver, pas facile du coup. Absolument, Julia, ça aurait pu être un des secrets, mais euh, dans l'hiver, il y a d'autres façons de pister. Il euh, y a d'autres façons de pister et effectivement on n'est plus trop sur de la verdure. Et même si euh, il gèle ou quoi que ce soit, euh, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord. Mais là on va plutôt être sur des, du pistage thermique puisque à l'endroit où un animal est passé, il y a de la chaleur qui est passée. Donc du coup on peut voir quelles petites distinctions. Valérian, j'ai fait du cerf trop content. Euh, bien, félicitations Valérian et Geoffrey. Cette astuce va beaucoup m'aider, c'est cool, merci. Ça permet d'identifier les espèces du coin. C'est ça, Geoffrey. Euh, après, on ne va pas tous les faire, hein. mais voilà, il faut, faut imaginer l'anatomie de l'animal. Et puis vous vous dites, bon, ben bah, voilà, euh, est-ce que ça correspond à ça Mais encore une fois, au plus c'est frais, au mieux c'est. Donc imaginez que maintenant, vous allez pouvoir faire une différence euh, entre un chevreuil et un blaireau. Ça, c'est facile. Entre un sanglier et un chevreuil aussi, vous pourrez le faire. Et puis bien évidemment, bon, après, quand on arrive sur le, entre la serre et une, et une biche... Euh, j'ai pas encore le niveau hein, pour savoir identifier un cerf d'une biche. Hein. On va savoir que c'est un gros cerf vidé, mais c'est tout quoi. Euh, et Biodiv qui est là. Salut Biodiv, je suis content de te voir. Merci d'être là en live. On arrive au secret numéro 4, les amis. On en a 10 hein, ce soir. Secret numéro 4 du pistage que je voulais vous, vous partager, c'était écouter le silence. Écoutons le silence. Mais tu pètes un câble en live, écoutez le silence. <laughs> Ça veut dire quoi écouter le silence quand vous écoutez, quand vous apprenez à écouter quand il n'y a pas un bruit, ça vous permet de ne pas vous faire griller par tous les petits soldats gardes de la forêt. Et alors, je ne suis pas du tout expert euh, des zones tropicales, etc., mais je suis sûr que vous avez déjà vu ces reportages sur le tigre, sur les grands prédateurs, les grands félins. Systématiquement, c'est jamais très bon quand il n'y a plus aucun bruit. C'est jamais très bon. Ce n'est pas normal. Ok Généralement, c'est quand les animaux ont un doute. Et après, vous avez ben, les animaux qui vont alerter les autres. C'est leur fonction dans la nature, dans le biotope. On a le singe hurleur euh, et autres. Il y a plein de... Vous voyez ce que je veux dire Bref, revenons chez nous. Et bien, chez nous, on avait déjà parlé, mais... Euh, il y a Jipa qui vient de passer. Salut, Jipa. Euh, et ben, ça me fait plaisir que tu sois là, Jipa, parce que tu étais un des premiers à me suivre également sur YouTube. Donc, ça me fait plaisir que tu sois là. Eh bien, puisqu'on en fait les trois ans de la chaîne, messieurs, dames, le 31 mai, alors on a un, un mois d'avance, mais le 31 mai, trois ans. Et donc, on a à voir, à voir ces, ces animaux euh, qui vont malheureusement nous détecter et le prévenir tout le monde. Et donc, on a quoi Allez, je ne vous les dis pas. Pendant, pendant que je vous explique pourquoi, vous allez me dire euh, dans le chat euh, quels sont les animaux qui préviennent tout le monde, comme quoi on est là. Et euh, eh bien, ces animaux-là, quelque part, ça veut dire quand vous les entendez, ça veut dire que lorsque vous les voyez, et qu'ils sont tout à fait normaux, eh bien ça veut dire que vous ne les dérangez pas. Donc ça veut dire que eux non plus ne sont pas dérangés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prédateurs pour eux non plus. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de moment de prédation. Ça veut dire que les petits sont sains et saufs. Et donc c'est un bon signe. Il faut simplement écouter. À partir du moment où le... le J'allais le dire. Qu'est-ce que vous me dites du coup euh, Thibaut qui me dit le G et les merles. Tout à fait, Thibaut. Euh, Ludivine, le G. Alors, le G, le merle, on est d'accord. Hein. Le G va avoir ce cri caractéristique où il va carrément crier. Euh, les merles, c'est pareil. Il a ce, ce cri d'appel où il va vraiment euh, euh, crier très fort pour vraiment prévenir tout le monde. Je ne vous ferai, ferai pas la, la honte de le, de le faire ici. Je serai incapable. Le brocard, Thibaut, oui, mais ça, c'est uniquement lorsqu'il est dérangé ou lorsqu'il y a un combat. Euh, le troglodyte, Hotman, je ne savais pas. Écoute, c'est point d'interrogation. Si tu me poses la question, j'ai envie de te dire euh, non. Mais si tu me dis que le troglodyte aussi euh, appelle les autres, pourquoi pas Mais je ne pense pas que cette espèce le fasse. Le G des chaînes, Geoffrey, tout à fait. Ouais. Le G une vraie poucave. <laughs> Qu'est-ce que c'est que ces expressions encore Le poucave, je ne sais pas ce que c'est. Merci, j'y pas pour le pigeon ramier. Exactement, le pigeon ramier, lui, il va le faire par ses vols. Hein, Lorsqu'ils sont en groupe comme ça, qu'ils vous voient... arrêtez de bouger. Ne bougez plus, faites plus rien. Parce que s'il décolle, s'il décolle, il a prévenu tout le monde à un kilomètre qu'il y avait quelque chose. Alors ça peut ne pas être grave, hein. Ça peut être rien du tout, mais il vaut mieux de passer inaperçu. Super important d'écouter le silence, mais aussi détecter les cris d'alarme, c'est exactement ça, Rando. Et non les chants des oiseaux. C'est exactement ça, hein. c'est les cris d'alarme, tout à fait. On a la pile, la belette, tout à fait, le gel la pile, le des chaînes, les merles, c'est bon, vous êtes bon, hein. Chevreuil, écureuil, j'ai et merle. Écureuil, et je ne connais pas trop euh, Biodive, parce que malheureusement, chez moi, euh, j'en vois sur mes caméras mais euh, je n'ai pas eu la chance de les étudier encore. Pourtant, dans l'Oise, il y en a quand même pas mal. Je serais intéressé, biodiv, peut nous dire, euh, si jamais tu pourrais nous dire un petit peu ce que peut faire un écureuil en, en termes d'alarme. Ça serait intéressant. Mésanges aussi, des grandes bavardes en cas d'alerte. Ouais, Hotman, c'est vrai que les mésanges changent leur façon de chanter. Euh, poucave, une balance. C'est une poucave, d'accord, c'est une coupave. Et il y a notre amni. Cryptid Nature qui est là, joyeux anniversaire Merci Cryptid. Je pense que depuis le temps que Cryptid passe sur les lives, vous le connaissez si c'est pas le cas, allez voir son travail sur YouTube. Il est très pédagogue et, et vulgarisateur. Donc allez voir son travail. Merci Cryptid, c'est sympa d'être passé, c'est gentil. Écureuil, je confirme Thibault. Ça serait intéressant de partager s'il vous plaît, c'est quelque chose que je connais pas. L'écureuil, qu'est-ce qu'il fait S'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que c'est une poucave <laughs> Des fois quand il te voit, il pousse des cris très particuliers. Ah, génial Allez-y, écrivez-moi le cri un peu, comment, ce serait quoi le, le son. <laughs> super intéressant. Vous voyez comme quoi l'intérêt d'échanger, de pratiquer, de, en fonction des zones, de ce qu'on a pu observer, pas observer. On peut, on peut donner des informations à tout le monde comme ça. Merci de votre partage, c'est cool. Euh, je confirme l'écureuil, ça me va. Super, super. Bon, vous avez compris, je pense, sur écouter le silence. De petits cris aigus. Ouais, mais c'est quoi Thibaut, Fais-moi le cri, s'il te plaît. <laughs> Qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas. Le chat comprenne un peu, Thibaut, s'il te plaît. Allez, on est parti. Sur le secret numéro 5, les amis, et hey, 20h30, 21h, 5 secrets, on a la moitié, on est bien. Prendre son temps pour écouter, c'est exactement ça. Seb. On arrive sur le secret 5, les amis. Donovan, comme le vent, mort de rire, trop marrant. fait le cri par écrit, s'il te plaît, Thibaut. <laughs> il, y a du, il y a du challenge. Ça se challenge entre poteaux. Perso, une fois, j'avançais bien silencieusement vers plusieurs chevreuils qui ne m'avaient pas vu. Et là, tu as un lièvre qui détale et les chevreuils dans le doute sont partis. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a les, les gestes aussi, il y a les habitudes des animaux qui changent sans forcément crier. C'est vrai que tu as, tu as des attitudes de, de peur. C'est naturel, c'est comme nous. Imaginez qu'on est dans une station de métro, tout d'un coup, on voit 50 personnes qui courent. On va courir. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une peur. C'est vrai qu'il y a ça. Bien joué, Geoffrey, bien vu. Secret numéro 5, les amis, c'est étudier le rythme. Celle-là, elle est un peu technique. Celle-là, un peu technique. On revient un peu sur les empreintes. Étudier le rythme, ça veut dire quoi Lorsque vous allez étudier un rythme, ça va vous permettre de comprendre une scène. ça va Alors, ça peut être une scène de jeu, de, de, jeu, hein, de joie. C'est pas obligé que ce soit une prédation. Euh, mais en gros, vous allez regarder au niveau des empreintes, et au niveau des passages, des branches cassées, enfin bref, de tous les signes que vous pouvez avoir. Et vous allez essayer de comprendre les mouvements. Vous vous souvenez, on avait parlé un tout petit peu, il y a une différence entre quelqu'un qui, qui, qui marche doucement, okay donc on va être euh, entre guillemets avec une certain, un certain écart, et puis euh, soit très écarté, soit pas écarté. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va accélérer, les pas vont changer de position, et horizontalement et verticalement. Donc la différence entre le pas, le trop, euh, et on va dire, je dis le trop, mais on n'est pas au trop nous, mais, et la course. Et donc quand vous avez la chance, parce que c'est ça qui est difficile en pistage, c'est que c'est très bien d'avoir une belle empreinte, mais en avoir plusieurs, c'est des fois un peu compliqué. Donc il faut savoir lire entre toutes les traces, les cailloux, l'herbe, etc. Et donc, imaginons qu'on a un peu de chance et qu'on a une 10 mètres, on va dire les 10 mètres, et puis sur ces 10 mètres, on a plein d'empreintes. Ben, il va falloir euh, qu'on étudie voilà, ces empreintes. Qu'on étudie et qu'on regarde si c'est des empreintes qui sont rapprochées, pas rapprochées. Donc rapprochées comme ça, pardon, ou rapprochées euh, comme ça. Si elles sont écartées, si on commence à avoir l'une dans l'autre, on commence à accélérer là le mouvement. Si ensuite ça freine, si oh, je me cache ça, <laughs> si euh, ça freine, si ça tourne, si ça change de direction, etc., etc. Voilà, c'est ça que je veux dire dans étudier le rythme. Donc, quand vous avez des jeux, souvent il y a des empreintes un peu partout. Est-ce qu'il y a une seule empreinte ou, ou deux? mais d'animaux différents, okay Souvent dans la neige, quand vous avez une trace de prédation, vous voyez, euh, vous voyez euh, soit le mulot ou je ne sais quoi, puis bam, vous voyez carrément les empreintes euh, du, de la buse, par exemple, avec les ailes qui sont, qui sont un peu sur la neige. Vous voyez que ça a été le bordel, pas possible. Et ensuite, on, ça a été envolé. Et puis après, il n'y a plus rien. C'est la neige est nickel. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. En fait, c'est étudier le rythme des pas, le rythme euh, des mouvements. Voilà. En gros, c'est ça que je voulais vous expliquer. Je vous lis. de petit cri aigu prend son temps pour écouter. Ouais, donc c'était ça, ok. Je ferai. personne une fois, j'avançais bien, c'était l'histoire du lièvre Ouais, c'est l'histoire du lièvre, ok. Euh, la belette tchac, 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 c'est la pie au cas où. Ouais, c'est ça, tchac, sur Youtube le cri de l'écureuil. Ah, oh, tu triches, tu triches Thibault. Ouais, on va, on va le faire, mais je voulais t'entendre. Euh, enfin, je voulais noter le... Bon, bon j'espère que vous avez compris le secret numéro 5, ça vous va ça vous va comme explication, j'espère que ça vous plaît. Il faut se mettre au rythme des bébêtes. Ouais, c'est un peu ça, Rémi. Un peu... Je ne t'avais pas dit bonjour, Rémi, salut. On est d'accord, donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, étudier le rythme, ça voulait dire ça. On arrive sur le secret, les amis, numéro 6. Secret numéro 6, c'est connaître le trio des zones. Alors, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le chevreuil, lorsque j'avais fait une vidéo sur comment photographier et observer et photographier le chevreuil, euh. J'avais expliqué, expliqué, donc ça c'est typique chez le chevreuil, mais c'est pareil pour tous les animaux. Lorsque vous pistez, vous devez absolument comprendre euh, les besoins vitaux des animaux. C'est comme nous, en fait. Hein. Euh, nous, je prends ça à l'échelle humaine, euh, on va avoir bah, notre maison, hein, notre toit au-dessus de nous. On va de façon vitale avoir... Eh bien notre zone de repas hein. donc, euh, donc on, va, on, va, on va dire que c'est euh, euh, l'artisan du coin le supermarché du coin euh, bref les gens où on peut acheter à manger et j'ai envie de vous dire c'est encore mieux notre potager donc on a la zone de repas hein. et ensuite on va avoir et eh bien notre zone de repos ok donc ça va être euh, euh, le, notre lit euh, ça va être notre canapé etc et on va avoir aussi bon les zones de travail mais ça c'est propre à l'humain Zone de balade, enfin bref, donc vous avez compris qu'on a différents types de zones. Les animaux, c'est un petit peu plus simple que nous, et on va prendre le cas du chevreuil pour l'expliquer. Le chevreuil va toujours se balader entre sa zone de gagnage, sa zone de gagnage, c'est l'endroit le, où il mange, la zone de repos, hein, là où il va se reposer, mais uniquement pour la sieste. Ensuite, il va avoir sa zone, bien, je dirais, de prospection hein, pour son territoire, par exemple pour le brocard, une nouvelle zone de gagnage, une nouvelle zone de, de repos, etc. Et entre temps, vous avez l'eau. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, c'est une denrée rare en pleine nature et que du coup, c'est à part du repas. Hein. Ils peuvent très bien faire 2 km à gauche pour aller manger et refaire 4 km à droite juste pour aller boire. Et donc, il faut bien comprendre le trio des zones, mais pour chaque espèce. Pour chaque espèce. Le chevreuil, c'est le plus simple à étudier. Mais euh, du coup, le blaireau où est-ce qu'il va aller pour manger Le renard où est-ce qu'il va boire euh, Le g, la buse, l'écureuil, la marthe, la fouine, le mulot, l'araignée, euh, euh, la grenouille, etc. Dès que vous avez envie d'étudier et de, de photographier ou d'observer un animal, posez-vous ces questions-là. Où sont ces trios de zones Alors qu'on dit trio parce que la plupart du temps c'est trois. Ça va être le repos, ça va être le repas et ça va être la zone d'eau. C est, c est, ces trois zones-là, et bien souvent euh, c'est un peu difficile. Mais déjà, ça vous permet de vous poser des questions sur l'animal. Mais si jamais vous ne savez pas ça, bah c'est compliqué de pister à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans une zone où il n'y a rien du tout pour un chevreuil, on va reprendre l'histoire du chevreuil il n'y a rien à manger pour le chevreuil, rien que dalle, nada, et vous avez euh, pas d'eau, ok Et bien, et vous voyez une empreinte, et bien vous êtes quasiment sûr. Que soit c'est une zone de repos, mais dans ce cas-là, il faut trouver des couches, il faut trouver des zones de, de où il s'est couché, mais sinon, c'est une zone de passage. Hein. Sinon, l'animal ne, ne vit pas là, ne vient pas là, ce n'est pas vital pour lui. Et vous devez faire cette étude-là pour tous, les, euh, tous les, les animaux. On prend un autre exemple, on prend une chouette, une chouette chevêche. Vous voyez une chouette chevêche, vous voyez, elle euh, est dans une grange, par exemple, vous êtes quasiment sûr que c'est sa zone de repos. Mais est-ce qu'elle va bouger de lieu, est-ce qu'elle vient d'arriver ou pas Ben faut regarder autour. Est-ce qu'elle a de quoi manger Donc Est-ce qu'il y a des champs Est-ce qu'il y a de la forêt Est-ce qu'elle peut boire un tout petit peu Est-ce qu'elle a de quoi se nourrir avec des mulots Est-ce qu'elle peut se cacher etc, etc. Voilà. C'est cette zone-là, ce de trio des zones qu'il faut étudier. Je vous lis. Euh, des Cheat, cheat, très aigu, presque trident et répété. Merci Thibaut, t'as joué à le jeu. Ok, ça marche Je ne sais pas ce que ça fait, mais ok. J'adorerais. Qu'est-ce que je serais content un jour de pouvoir vous faire des, des photos et des vidéos sur, le, sur les écureuils. Euh, je serais très content. Est-ce que suivant les saisons, il change ses rythmes et ses zones Alors, tu parlais de quoi, Seb Tu parlais de quoi Est-ce que je suivant les saisons, il change ses rythmes et ses zones Je ne sais pas de quel animal tu veux parler, Seb, si tu peux préciser, s'il te plaît. Il y a Six qui est là, 666 aussi. Ça me fait très plaisir de te voir. Six puisque je me souviens que tu étais là aussi à mes débuts, souvent aussi au live, il y avait même Five Wild Pix, il me semble quand tu parlais là euh, de, de Opal, enfin bref, je me souviens très bien de ton pseudo, Six, donc ça me fait très plaisir de te voir euh, le jour où je fête les trois ans de la chaîne. Ça fait plaisir de voir les vieux pseudos qui sont là ce soir, franchement ça me touche, merci beaucoup. Je me dis que ça fait trois ans que vous supportez ma, ma calvitie, euh, ma barbe euh, dégueu, euh, et puis euh, mon humour euh, nul. <laughs> donc merci d'être là. Valérian, j'ai trouvé un spot de vieux pommiers abandonnés. Ah, intéressant. Et bingo, chevreuil, biche et cerf, un pur endroit. Ah, génial, super. Tu, si tu as de la macro aussi, tu peux faire des beaux insectes. Tu vas y trouver euh, les pics qui adorent les fruits, les grives, les merles. Euh, super, ça, génial. Les sangliers, éventuellement, super. Ludivine, je suis depuis plusieurs jours un couple de chevreuils. J'ai capté leur zone territoriale. Très bien. Le coin repas, je sais, coin repos, j'ai déjà vu aussi, ils sont régulièrement au même endroit. Génial, lui dit, super. Essaye de trouver les, les deux autres, hein, parce qu'ils ont euh, la zone de gagnage numéro 2 et la zone de repos euh, numéro 2. Puisque eux ne dorment pas comme nous euh, toute une nuit ou toute une journée, hein, ils ont des, des, zones de, des moments de repos de 2 ou 3 heures, uniquement. Super, lui dit, je suis content pour toi. Valérian, c'est la cantine en automne, <laughs> tu m'étonnes. Rémi, les vergers, c'est top pour la chevêche. Euh, oui, c'est vrai. Exactement, elle a pas mal de trucs à manger là-bas autour de ça, en fait, avec tous les autres oiseaux qu'elle va pouvoir prédater et autres. Exactement. Geoffrey, le chevreuil est assez casanier Non, absolument. C'est un animal, c'est pour ça que c'est un des plus faciles à apprendre à pister, et à photographier, puisqu'à partir du moment où il n'est pas dérangé, il a une zone euh, assez limitée euh, et, euh, et c'est assez facile de savoir où il est à quelle heure. Rando, les zones de repos, de repas ne sont pas toujours les mêmes, si c'est un petit ou un parent, exactement. J'en ai été témoin pour le chevreuil et pour le loup. Encore plus pour le loup, effectivement, hein. tous les loups qui sont en train de se balader partout en France, c'est pour ça. Hein. Ce sont des, des loups qui sont émancipés, qui cherchent un nouveau territoire. Bien évidemment qu'il faut prendre ça en compte. Pareil pour les brocards. En forêt, les cervidés s'établissent sur un secteur défini où ils bougent sans jarret. Voilà, bon, on vient de répondre un petit peu. Julia, c'est ça. Hein. Euh, si tu as un mâle dominant, tu un territoire. Tu vas essayer d'avoir euh, quasiment le même. Ils sont très sensibles à leur territoire et s'il y a une branche qui casse ou quoi que ce soit, un caillou déplacé, ils vont le savoir. Et puis bah, ils le défendent. Et puis c'est une guerre de tous les jours, en fait, hein, tout simplement, à coups d'urine, à coups de frottis avec les glandes qu'ils ont sur les bois, etc., etc. Mais bien évidemment que ça peut bouger. Mais si rien ne bouge chez les adversaires et euh, dans les nourritures, ils restent là où ils sont heureux, bien évidemment. Euh, je vais manger, j'essaierai de venir en live avec vous. Salut Hotman, Bonap, euh, le chevreuil. Ouais, bah on vient d'y répondre du coup. Euh, six GG, c'est sympa. Tim, hein. moi dans l'Oise, ça fait trois semaines que je suis une famille che de chevreuils une chevrette, un brocard, trois petits. Je les ai vus quatre fois au total en affût. C'est rare ou pas qu'ils soient en famille comme ça C'est exactement le moment pour les voir en famille, puisque tu as les petits qui sont nés, donc ils sont un peu grands maintenant en fait. Hein. D'ailleurs, on commence des fois à avoir du mal à être différenciés. Euh, et euh, je dirais la fin de, de, de l'été, ça dépend quand ils sont nés, hein. mais tu vas commencer à avoir une disparition de tout ça et à moins les voir. Donc c'est en ce moment qu'il faut les voir ensemble jusqu'à la fin de l'été. Les chevreuils sont très routiniers. Oui, oui, effectivement, toute la famille sanglier. Ah bah, tu vois, Valérian, euh, Sébastien, l'hiver, je galère encore plus pour voir des chevreuils. C'est normal, hein, l'hiver, tout est tout est en ralenti. Et généralement, faut stopper un petit peu nos balades en forêt. Il hein. faut les laisser tranquilles à ce moment-là. Tim, ça dépend de la saison. En Automne, hiver, ils se réunissent en groupe. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette notion de, de groupage pour survivre. C'est un instinct un petit peu grégaire. On est parti pour le secret numéro 7, les amis. Je vous partage un des secrets. Numéro 7 qui est d'observer la météo. Et oui, parce que. La vôtre. Souvent, on regarde la météo uniquement pourquoi Pour savoir si on va être mouillé, pour savoir si on sort, pour savoir si il euh, faut que je mette un, une bâche anti-pluie sur mon appareil, puis c'est tout. On va pas regarder autre chose. Or, la météo nous donne des tonnes d'informations sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe et sur ce qui s'est passé. Je reviens sur les empreintes. Euh, le meilleur moment pour pister, c'est euh, juste après la pluie. Hein. Il pleut cette nuit, vous y allez demain matin, c'est pur bonheur, hein, parce que là il n'y a pas plus frais, il n'y a pas plus frais, c'est-à-dire que la pluie va effacer les vieilles empreintes, va les rendre quasiment, euh, on ne peut pas les lire quoi, et euh, elle va au contraire, et euh, eh bien euh, rendre la terre molle et donc tout ce que vous allez voir sera récent, sera relativement récent. Une herbe mouillée est beaucoup plus facile à lire qu'une herbe sèche. On est d'accord, même si elle est très courte, une herbe mouillée, je peux vous assurer qu'avec l'expérience, ça vous donne pas mal d'informations. Donc ça c'est l'observer la météo. Ça vous donne également le comportement des animaux. Il y a des animaux qui sous, sous la pluie ne feront rien. L'exemple de la chevêche que je commence à bien connaître puisque euh, allez allez petit euh, petit spoiler alerte, vous allez avoir une vidéo sur euh, la chouette chevêche, euh, j'ai pas encore monté mais j'ai fait une superbe rencontre si vous me suivez un peu sur Insta ou sur TikTok. Parce que je suis aussi sur TikTok, c'est un, un contenu qui n'a rien à voir. C'est pas aussi qualitatif. Qualitatif comment le mec il se la raconte. Je ne les travaille pas aussi bien, c'est juste pour faire un peu de making of, un peu de, de backstage pour voir un peu comment je filme, etc. Euh, bah, J'ai fait des belles rencontres et j'étais hyper étonné qu'elle n'aimait pas du tout la pluie. En tout cas, cet individu-là. Et dès qu'il pleuvait très fort, on la voit rentrer. Et, et dès qu'il pleut un tout petit peu, elle a du mal quand même. Elle, elle y va parce qu'à la fin, mais elle a un peu de mal. Il y a plein d'animaux comme ça qui n'aiment pas la pluie. Au contraire, il y a des animaux qui aiment bien la pluie. Donc tout ça, voilà, ça vous permet, dans le pistage, de vous aider. Pareil pour le soleil, pareil pour bah, les orages, pareil pour la neige. Il n'y a pas que euh, l'humidité, entre guillemets. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure du froid. Le froid peut être un indicateur de bon pistage. Ce n'est pas facile, je vous l'accorde. Alors, je ne parle pas de la neige avec euh, 10 cm de neige et puis on marche dessus, on voit facilement les empreintes. Non. Euh, on, va, on va trouver en fait des traces de chaleur. C'est-à-dire que quand vous avez un grand, grand froid, vous allez en forêt, puis vous avez une zone qui n'est pas glacé, euh, un peu humide, voire tiède, bah voilà, vous savez très bien qu'il y a un animal dessus. Et comme d'habitude, vous regardez le poids, vous regardez la taille, vous regardez la largeur, vous regardez les... etc. Ça vous donne des informations. Euh, le gel et la neige peuvent vous donner des indications aussi sur l'urine ou sur les excréments. Ça vous donne des couleurs, de loin vous le voyez. Hein. Une urine un peu jaunâtre, de loin vous la voyez. Et donc tout ça, c'est uniquement regardant la météo. Je vous lis. Euh, dou 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 dou. La neige Nico Thibaut, ouais on est d'accord. Euh, Rémi, pourquoi il dit Youpi, Rémi, il est content Il est content Rémi. Par contre, avez-vous une astuce contre l'éthique Bien évidemment, Valérian, je suis sûr que les gens du chat ils vont t'en donner plein des astuces pour l'éthique. T'inquiète pas. S'ils t'en donnent pas, j'en ai quelques-unes pour toi, mais tu vas voir, ils vont t'en donner. Trop hâte de voir la vidéo de la chouette. Ouais, moi aussi. Et je ne l'ai pas montée du tout encore. Euh, rando sous la pluie, beaucoup d'observations de batraciens, c'est top, exactement, il y a tous nos amis amphibiens. Moins 8, le sol gelé fait un bruit du diable. Oui, tu verras Julia, on, on bossera également euh, le bruit, on bossera si tu veux, on verra. Pour le tic, tour de cou, couvre-chef, et bien mettre le pantalon dans les chaussettes. Pareil, la taille, tout bien emballé. Donc la première astuce, Valérian, le fait de ne rien laisser dépasser en termes de peau, tout à fait. Si tu avais un secret pour pister le renard et trouver un spot à renard, je veux bien. Tim, je t'envoie vers la vidéo sur euh, comment photographier et observer un renard. J'en ai fait deux. Un, c'est uniquement l'observer. Et la deuxième, c'est comment le photographier. C'est sur la chaîne. Je te laisse, je réponds à ces questions-là. Pour la future vidéo sur la chevesse. Ah, ok, Rémi. Ouais, ouais moi aussi. Je me demande si c'est même pas mon animal totem. Vous voyez, je suis en train de me dire que tout ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un rapace, c'est des trucs incroyables. La vidéo sur le les faucon cresserel. Ma rencontre avec la chouette effraie. Ma rencontre là maintenant avec la chevache, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe entre, euh, entre les rapaces et moi. Euh, pour la future vidéo sur la chevache. Michel, pour les tiques, prendre de la vitamine C. Je ne savais pas ça, Michel. Pourquoi tu, tu me parles de vitamine C euh, Explique-nous un tout petit peu. Rico, le chevreuil, il sort quand il pleut euh, Oui, oui, le chevreuil, il en a rien à secouer. Hein. Lui, euh, il va se reposer quand il fait vraiment très très froid. Mais lui, la pluie, tout ça, il n'y en a rien à secouer. Pour les tiques, menthe et lavande. Ouais, Rando, bien joué. Moi, c'est l'astuce que je préfère hein, euh, euh, pour répondre à ta question, Valérian. Bien évidemment, le côté de bien se camoufler, de plutôt haute herbe, hein, on est d'accord. Euh, et naturellement, euh, les mentes, la menthe et la lavande. Alors, t'en prends pas des huiles essentielles et tout ça. Hein. Tu prends vraiment de la menthe, vraiment de la lavande. Tu les prends, tu les écrases. Euh, D'ailleurs, Julia, si jamais euh, j'en ai pas vendredi, fais-moi penser à ce que j'en ai dans la voiture. Et du coup, euh, bien, bien, bien frotté. Et en mettre principalement dans les zones au contact, donc plutôt vers le bas, sur, tes, sur toi. L'avantage, c'est que c'est des odeurs naturelles qui vont en plus camoufler ton odeur d'humain. Les animaux ne vont pas voir en toi un humain encore en plus. Les tiques ont horreur de la menthe et euh, de la lavande. Vers chez moi, il n'y a pas beaucoup de renards, mais vers chez toi, il y en a pas mal. Il euh, bah, faut se déplacer un petit peu, Tim. Forcément, dans l'Oise, la population se porte relativement bien quand même. Mais l'odeur en affût, ce pas bon, non L'odeur d'humain, non, mais l'odeur de lavande et de menthe, ça ne me pose aucun problème. Tu trouves de la lavande, certes, euh, pas énormément chez moi dans l'Oise, mais moi, je ne je mets que de la menthe. Je trouve de la menthe sauvage dans l'Oise sans problème. OK, merci pour les conseils. Bien évidemment, merci à la commune, merci au chat pour avoir répondu à la question de Valérian. C'est le secret numéro 7. On arrive sur le secret numéro 8, messieurs, dames, le règle des 30 minutes. Celle-là, vous la connaissez pas. Celle-là, vous la connaissez pas. Je suis très content parce que vous la connaissez pas. <laughs> je sais, je suis débile. Euh, la règle des 30 minutes, qu'est-ce que c'est bah Je vous mets au défi de le faire, tout simplement. Demain, euh, le 1er mai, euh, la, votre prochaine balade, vous allez vous balader dans une zone où il y a pas mal d'activités. Quand je dis activités, c'est vous entendez euh, des, des oiseaux, vous entendez. Euh, des, des, des rongeurs, il y a du vent, enfin bref, vous, vous voyez qu'il y a de l'activité quand même. Et vous allez volontairement les déranger un tout petit peu. Alors oui, c'est bizarre que je dis ça, mais, mais oui, vous allez simplement les déranger en marchant, hein, c'est tout. Vous commencez pas à crier ou à siffler, mais vous allez marcher un peu en pleine forêt. Et puis vous allez choisir un, un petit endroit pour vous poser tranquille, euh, un endroit où vous allez pouvoir mettre votre séant euh, tranquillement, vous asseoir et profiter de l'instant. Et vous allez attendre et vous allez plus faire aucun bruit. Absolument aucun. Sans camouflage, sans rien, on est d'accord. Plus aucun bruit, plus rien. Et vous allez voir que cette fameuse 2, 3, 4, 5 minutes où il y a eu peur, les pigeons ramiers sont partis, le G il a crié, la pie il a crié, le merde il a crié, etc. Les lapins sont partis, hein euh, ça, va, ça va arriver. Hein et vous allez voir, et je vous mets au défi de chronométrer, qu'au bout d'un certain temps, souvent moi, ce que j'ai remarqué, c'est mon expérience pro, hein, par ah, mon expérience pro, mon expérience personnelle, pardon, au bout d'une demi-heure, la plupart du temps, les animaux vous ont accepté, les animaux entre guillemets les plus simples, et toute l'activité faunistique sauvage revient. Et là, je peux vous dire que c'est un cadeau incroyable. Je l'ai vécu avec mon fils quand il était petit, avec des lapins, et bien je peux vous assurer qu'au bout d'une demi-heure, ils ont très bien compris que vous n'étiez pas un danger. Ils ont très bien compris que vous allez peut-être taper une sieste ou bref, que vous étiez juste là. Et les oiseaux vont rechanter normalement. Vous allez voir que les chants des oiseaux vont changer. Et avec un peu de chance, vous allez pouvoir faire des observations. Et c'est comme ça, sans appareil photo, où j'ai pu observer des piquets-pêche à 3 mètres, des écureuils à quelques mètres, euh, les merles venir pas très loin, des buses juste au-dessus de moi, euh, les lapins revenir, etc., etc. La règle des 30 minutes. Vous allez me dire à quoi ça sert dans le pistage bah, Ça sert tout simplement à être invisible, en dehors d'un affût, sans faire un affût. Vous n'êtes pas en affût, et la nature vous accepte. Et là, vous voyez les choses telles qu'elles sont, comme si vous y étiez pas là. Comme si c'était vous, la caméra de chasse. Là, vous êtes transformé en caméra de... Pardon pour le mot chasse, euh, en caméra en piège photo. C'est comme si vous étiez devenu un piège photo par vous-même. Et vous allez pouvoir voir d'autres choses, d'autres événements. Que quand vous marchez, vous savez, cette fameuse balade le dimanche avec toute la famille, avec les chiens, machin, tout le monde braille et, et voilà. Bah, plutôt que faire ça, là vous allez vraiment, vraiment assister en fait à ce que, à ce que la nature est en fait, comme si vous n'étiez pas là. Sauf que là ils vous ont accepté. C'est ce que j'appelle la règle des 30 minutes. Pour Biodiv nous dit, ce sera peut-être bizarre pour vous, mais pour moi, en balade, short, t-shirt et vérifier régulièrement sur soi si on n'a pas qui te grimpe dessus parce que tu pourrais toujours en attraper. Bien évidemment. Et puis les plus dangereux, j'ai envie de vous dire, c'est les petites. Hein. C'est celles qui ont 0-100 et qu'on voit quasiment pas. Les renards ont un gros territoire. Euh, compliqué. Compliqué comme question, mais oui, ça peut être plusieurs kilomètres. Ça plusieurs plusieurs kilomètres, mais souvent, le territoire qu'ils vont avoir, ça dépend de leur zone de repas. Souvent. Puisque la plupart du temps, hors période des petits, ils ne vont pas vivre dans le terrier, donc ils sont dépendants malheureusement du nombre de proies. Attendre 30 minutes, c'est long parfois. Ouais, bien sûr, Rando. Bah ben, oui, bien sûr. Là, je te parle d'un luxe, d'un luxe que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas prendre, bien évidemment. Mais je peux vous assurer que ça marche. Faites le test une fois dans votre vie, vous allez voir, c'est incroyable. Si tu as des manches longues et tu les vois pas faire. Ouais, je comprends. Ouais. j'ai croisé un cerf comme ça, mon plus beau hasard. Ben oui, Julia. Il n'y a pas de hasard, hein. quand la nature vous accepte, il se passe des belles choses. Patience et silence, les qualités premières. Il y a Mick qui est là. Salut Mick. Très content de te voir, Mick Studio. Je suis très content que tu sois là. Merci beaucoup pour l'anniversaire de la chaîne. Il ne faut juste pas faire de bruit, éviter les grands mouvements. Oui, c'est ça. Mais reste assis. Tu te restes assis, tu ne te mets pas en mode humain sur de deux pieds. Tu t'assois tu et t'attends, tu vas voir. Euh, il ne faut juste pas faire de bruit, éviter les grands mouvements. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Nico. Même en étant camouflé, à faire sans être camouflé alors. Renard et chevreuil ne reviennent pas. Euh, le chevreuil, euh, il a tendance, une fois qu'il est parti, à revenir quand il a été dérangé au même endroit. Il met un certain temps, il peut mettre une heure, une heure et demie, mais il va revenir. Et je l'ai vu lorsque euh, j'ai interviewé. Enfin, je l'ai vu. On me l'a dit surtout lorsque j'interviewais Ava sur une chasse à cour. Ils ont remarqué que le cercle du, du, du cerf en chasse, il faisait toujours un cercle et revenait toujours au même endroit. Et j'ai le très grand honneur, messieurs dames, de vous annoncer que Five Wild Pix est là dans le live. Fab, ça me fait très très plaisir que tu sois là. La chaîne a trois ans, Fab, et tu as été le premier gars qui m'a tendu la main. Et la boucle est bouclée. Au bout de trois ans, la, la, la première personne que je suivais, il est là. Et ça me fait. Ça me fait ouais, je suis assez ému, je suis très content que tu sois là, poteau. Ça me fait très plaisir. L'homme qui voyage partout, qui nous fait des vidéos de dingue. Euh, bien évidemment, si vous ne connaissez pas le maître, messieurs, dames, allez voir le boulot de Fab Wild qui est moi, la personne qui m'a donné envie de faire ça. Et euh, merci à toi Fab. Euh, ça, me fait, ça me fait très plaisir que tu sois là. J'espère que tu vas bien, qu'Anso va bien, que Marie va bien. Je te fais des bisous. J'espère que tu te portes bien. Et t'inquiète pas, tout ça, tu les connais par cœur, les secrets de pistage. Tu m'en as également appris quelques-uns. Euh, mais c'est gentil. C'est gentil d'être là et d'être passé. C'est très sympa. Après, ça dépend aussi, Rando, si c'est un animal avec un tempérament craintif ou pas. Oui, bien sûr, ça a des attitudes. Il y a des, y a des, y a des animaux que tu ne reverras jamais. Hein. Le blaireau, tu le déranges, tu ne le verras pas. Hein. Tu verras plus. J'adore le travail de Fab. Ah bah, qui n'adore pas, lui dit. Qui n'adore pas On a Tim qui nous dit Fab Wild Peaks, je suis nostalgique, je regarde encore tes anciennes vidéos Animalis avec Le Grand JD. Mais, mais on est d'accord, Tim. C'est la base. C'est la base. Hein, quand vous aimez bien le métal, vous écoutez ACDC. Quand vous aimez bien faire de la photo animalière, vous regardez Fab Wild Pix, Animalis, Le Grand JD. On est d'accord, c'est la base. Euh, la même que Tim, on est d'accord. T'as vu, Fab, tous les fans que tu as La règle des 30 minutes, c'est comme ça que tu vas. C'est comme ça que vu ma première martre, eh bien, super bien joué Biodif. Parce que pour voir une martre, c'est balèze en dehors des caméras. Euh, piège photo. Et puis, ouais, c'est balèze. C'est aussi un de mes rêves, c'est de pouvoir observer une martre. Ça serait génial. Et Gwini qui nous dit À ah, quand un retour sur YouTube, Fab oh, On est tous là. On est tous là pour, pour encourager Fab à le faire. Il a nous fait des, des, des vidéos de dingue sur la Namibie euh, avec les singes. Euh, comment il s'appelait euh, le petit animal que tu avais vu, euh, Fab, euh, qui ressemblait à un Ewok de Star Wars C'était génial aussi celle-là, elle était top. Regardez bien évidemment le travail de Fab, hein. il, fait, il fait des trucs de dingue, c'est un grand maître en la matière. On est au secret numéro 8, messieurs-dames. Est-ce qu'on ne ferait pas le secret numéro 9 On arrive bientôt à l'heure du live. Michel qui nous dit juste avant, suite à un reportage, le gars prend depuis plusieurs années de la vitamine C. Ah, merci, c'est pour tes réponses. Il n'a jamais eu de tic. Moi, cela fait deux ans que j'en prends au jour d'aujourd'hui, zéro tic. Alors auparavant, la CATA. Intéressant, ce serait intéressant d'étudier. On va poser la question à Anso Watt. Vous savez quoi, tous là Vous allez sur votre Instagram ou Facebook, vous envoyez un message à Anso Watt qui répond très intelligemment aux questions scientifiques et qui vulgarise pour qu'on comprenne tous. Euh, et on va lui poser la question, quelle est le meilleur, la meilleure chose contre l'éthique S'il vous plaît, faites le délire. Franchement, et vous savez quoi Je le fais en live. Je le fais en live. Elle va me détester. On fait, fait tout ça. Instagram. Je suis désolé Anso. Instagram. <laughs> Je suis un enfant. Anso what? Anso what? Anso, voilà. Et puis vous lui posez la question. Euh, bonsoir Anso. Soit elle va, elle va être pas à cause de moi. Bonsoir Anso. Euh, est-ce que la vitamine, c'est laquelle? C'est éloigne et éloigne l'éthique. Question du chat live YouTube. C'est n'importe quoi. Voilà, j'ai envoyé. OK <laughs> Détesté. Je suis désolé. Euh, Fab, il va dire, mais plus jamais je passe sur sa live, il fait des questions de con. Euh, donc le renard ne revient pas. Euh... Si, si, le renard peut revenir, bien évidemment. Ça dépend si tu l'as dérangé ou pas euh, dans des moments euh, dangereux. Mais surtout ne jamais déranger un renard lorsqu'il a des petits. Euh, elle n'en sait rien. Ah merde, elle n'en sait rien, euh, Fab. Bah, tu lui en as pas dit quand même, c'est un secret, faut pas lui dire, faut pas le dire. Allez, on enchaîne, les amis. Secret numéro 9. Secret numéro, je vous mets le 7, n'importe quoi. Et Hotman, il a fini de manger. Salut Hotman. Allez, question numéro 9. Secret numéro 9, pardon. Pas que les empreintes. Bah oui Bah oui, quand vous, quand vous êtes en pistage, on a toujours tendance à se dire Mais, 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 mais si je ne vois pas d'empreintes, c'est qu'il ne se passe rien. Si euh, je ne vois pas une belle trace de sanglier, c'est qu'il ne se passe rien. Et souvent, quand ce qu on débute le pistage, on regarde quoi On regarde les empreintes et les excréments, c'est tout. Les coulées, éventuellement. Alors qu'il y a plein d'autres choses à observer, à regarder. Si je vous dis par exemple les poils, c'est tellement petit, c'est tellement fin, combien de fois vous vous êtes dit, tiens, un poil, c'est un poil de quoi Souvent, on regarde les barbelés, souvent. Mais lorsqu'il y a une trace, est-ce que lorsque vous voyez des poils, est-ce que vous dites, tiens, est-ce que c'est une poil de chien ou pas Je peux vous assurer que lorsque vous commencez à étudier euh, les poils, ça peut vraiment vous donner l'indication. Alors, il y a voir les poils, les poils dufteux et durs. Les bicolores, les tricolores, puisqu'un poil de blaireau par rapport à un poil de sanglier, ça n'a rien à voir. Il y a la taille, et la dureté, l'odeur. L'odeur, on en a déjà parlé des odeurs. Hein. Lorsque vous traînez dans une coulée qui sent fort, non seulement ça fait et qu'il n'y a pas de vent, non seulement ça fait longtemps, pas longtemps que l'animal est passé, mais surtout, je peux vous, on est d'accord qu'un sanglier, ça sent vraiment le cochon. Une fange avec euh, le cerf, ça sent très fort également. même un chevreuil. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Alors j'ai la chance d'avoir observé un brocard qui frottait avec ses glandes de bois. Euh, sur, un, sur un chêne, je peux vous assurer que pas très longtemps après, je sens, je peux vous c'est très léger, hein, mais ça sent quand même quelque chose. Donc il y a l'urine, il y a les excréments, il y a les glandes, mais donc l'odeur peut être un indicateur également au niveau du pistage, c'est très intéressant. Un terrier, souvent, euh, c'est malencontreux, mais lorsque vous arrivez à sentir l'odeur de l'intérieur, c'est que vous êtes trop près. Faites attention au dérangement, mais souvent on dit toujours qu'un terrier de renard va sentir un petit peu plus fort. Un terrier de blaireau. Souvent, vous avez des petites mouches qui dépassent, etc. Je vous lis. Ah oui, les crottes, les poils, Sébastien. Ah oui, avec le petit, je tente même pas. J'ai trop peur que la mère me voit. Absolument, Seb, c'est la base des bases. C'est très bien ta réflexion. Merci d'être éthique. Euh, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on a peur, on ne fait pas. C'est la même chose avec les oiseaux. Pelote, ouais, bien, 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 très bien au niveau des indices. Euh, donc les pelotes, les plumes. Euh, les déjections, la façon dont la plume également a été séparée, c'est intéressant, hein. lorsqu'il y a prédation, est-ce que la plume elle est sectionnée ou elle est arrachée Ça peut vous donner une indication. Alors, désolé de dire ça, mais c'est comme ça, moi, quand j'ai des personnes qui vont me demander éventuellement pour leur poule qui vient de se faire croquer, il euh, y a des indices comme ça souvent qui permettent de savoir si c'est arraché, si c'est coupé, si c'est cisaillé. C'est une différence, vous voyez, entre une martre, par exemple, et un rapace. Ça peut être une différence. Donc, euh, vous voyez, il n'y a pas que les empreintes dans le pistage. Euh, Gwini, un jour, juste en cherchant, j'ai trouvé des poils d'ours. Wow! C'est comme ça qu'ils ont su qu'ils étaient réveillés. Oh la vache! Qu'est-ce que ça doit faire bizarre de voir des poils d'ours? Ça doit faire trop bizarre. Les troncs écorcés. Bien joué, Julia. Exactement. Lorsqu'un tronc sera écorcé, pour un marquage de territoire ou pour les griffes ou autre, effectivement. Tim, euh, Nico, tu aurais un conseil pour améliorer ma chaîne YouTube, s'il te plaît? Tim, c'est très gentil, Tim. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions en live euh, déjà je suis pas un pro youtubeur du tout euh, tu as des sites hein, spécialisés là-dessus euh, éventuellement on se racontera ça en, en off si tu veux mais euh, je suis pas du tout peut-être la bonne personne euh, qui peut t'expliquer là-dessus tu sais moi je fais ça en freestyle et avec aucune idée derrière en tout cas le rando, observez les branches basses des arbres, mangez, exactement, écorce au pied des arbres peut indiquer une loge de pique. Ouais, bien joué. S'il y a de la sueur, si surtout le pic noir, s'il y a des choses comme ça qui ont été grattées, qui ont été piquées, c'est intéressant. C'est intéressant de faire ça. Les frottis, les grattis de chevreuil. Bah voilà, vous vous y retrouvez. Vous vous y retrouvez. Très, très bien. Super. Alors, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a encore plein, 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 plein d'autres choses. Euh, mais voilà, il n'y a pas que les empreintes. Et surtout, il y a des animaux qui ne permettent pas d'observer de, 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 les empreintes. Je pense aux amphibiens. Souvent, c'est compliqué de trouver des traces de crapauds, de grenouilles, de salamandres, de tritons, etc. Donc, euh, à part les œufs, à part les bulles, à part. Euh, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, à ne vous habituez pas à ne regarder que les empreintes, que les crottes, que les coulées, etc. On arrive au dernier secret, les amis. Ça fait déjà une heure qu'on est en live. Vous avez été hyper participatif. C'est cool. Le sanglier qui refoule le sol, bien évidemment. Seb, il n'y a pas longtemps, j'ai observé un chevreuil avec les jumelles. J'ai remarqué qu'il mangeait beaucoup de pissenlit, la fleur jaune. Oui, absolument. Le pissenlit est assez mangé par pas mal d'animaux. Le lapin, le lièvre, ça peut être picoré par pas mal de petits bestiaux. Est-ce qu'on arrive est déjà au dernier secret On arrive déjà au dernier secret Oui, ça vous va Ouais, allez go. Secret numéro 10. Dernier secret de ce live. J'espère en tout cas que dans les neuf précédents, vous en avez appris au moins un. Si vous en avez déjà appris au moins un, c'est que le contrat est, est rempli pour moi. Secret numéro 10. Le voici, le voilà. Inspecteur. <laughs> ne finis pas cette phrase, Nico. Secret numéro 10. Vous ne savez rien. Je ne sait rien. le meilleur des pisteurs au monde ne sait rien. pourquoi je vous dis ça? c'est simplement un message de, de bienveillance. bien évidemment je ne suis pas en train de vous critiquer au jugé et je me mets le premier là-dedans. Hein. Euh, on n'est pas la nature, on fait partie de la nature. mais j'ai jamais autant appris qu'en me trompant. ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas d'idées arrêtées remettez-vous toujours en question. apprenez tout le temps. Apprenez de vos erreurs pour ne pas les refaire. Euh, ayez toujours cette indication d'avoir un doute et vous allez progresser d'une façon phénoménale. C'est ça, que je veux dire, dans vous ne savez rien. Vous voyez une trace de blaireau, c'est assez significatif, on est d'accord, mais posez-vous quand même les questions est-ce que c'est vraiment un blaireau ou pas Parce que les, les mustélidés, il y en a pas mal. Est-ce que c'est pas une martre Est-ce que c'est pas un raton laveur Quand vous écoutez euh, le chant d'un rouge-gorge c'est peut-être une maison. Je vous ai peut-être planté. Lorsque vous avez entendu un pic, bah c'était peut-être le pivert, C'était peut-être pas le piquet pêche. Lorsque vous entendez, euh, on parlait du, du cri de, de l'écureuil. <laughs> c'était peut-être pas le cri de l'écureuil. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ça. C'est voilà. Ce, ce, essayez pas d'avoir tout. Essayez pas de tout savoir. Essayez pas de tout comprendre. Et surtout quand vous savez, soyez humble. Et, 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 et cherchez quand même. Faire les, faites, les, faites les efforts, c'est bien d'avoir des connaissances. Mais je peux vous assurer que je me suis planté plein de fois. D'ailleurs, je l'ai dit souvent dans les stages que, que je réalise. Euh, je suis désolé si je me trompe. Je suis désolé si je me trompe. On va, on va tout faire pour ne pas se tromper, mais on peut, on peut quand même se planter. Donc, prenez à chaque fois en considération le fait qu'on peut se planter. Voilà. Et vous avancerez énormément dans le pistage en faisant ça. Allez, je vous lis une dernière fois pour les derniers messages. Puisque les dix secrets sont annoncés pour cet anniversaire des trois ans de la chaîne. Le sanglier qui refoule le sol, on est d'accord. On en veut d'autres, on en veut d'autres, <laughs> euh, Celui qui croit savoir n'apprend plus. C'est joli, Aurémi, ça me va bien. Je ne sais rien, alors j'observe. Très bien aussi, lui dit, tu as trop raison, Nico. Euh, pour une fois, on va dire pour une fois, j'ai raison. C'est pour moi ce secret-là, Julia. <laughs> ouais, c'est ça. Il faut se tromper pour savoir, c'est ça Geoffrey, surtout quand il s'agit de la nature, je pense. Absolument. Les amis, je vais vous laisser écrire vos derniers trucs pendant que je fais la petite, euh, la petite conclusion avant de terminer ce live. Et je vous lirai tous et toutes à la fin, bien évidemment. Voilà, le 31 mai, les amis, le 31 mai, la chaîne aura 3 ans. Vous avez plus, un peu plus de 5000 à me suivre. J'y croyais pas du tout lorsque j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et euh, c'est un sentiment de fierté. Ouais, je suis assez fier d'être parti de rien du tout. Vous regardez les premières vidéos elles sont filmées au téléphone. C'est un son de téléphone. Je ne savais pas spécialement monter ou quoi que ce soit. Alors je ne dis pas que c'est extraordinaire maintenant, mais je pense que je me suis amélioré. Et vous êtes plus de 5000 à me faire confiance. On fait des lives ensemble souvent, on se croise de temps en temps dans les forêts ou pour ceux qui sont dans l'Oise ou même dans les stages sur Instagram, sur TikTok, etc. Vous, vous mettez des pouces en plus, enfin vous mettez des pouces bleus, vous mettez des commentaires et grâce à vous, eh bien euh, j'arrive encore en fait à trouver énormément de motivation. Je suis peut-être à 20 ou 30% de mes capacités YouTube, esque on va dire ça comme ça J'ai encore la hype, j'ai encore envie de vous faire voyager, j'ai encore envie avec mes simples et humbles moyens de vous montrer des belles images. Donc, ce live, il était pour vous. Ce live, il était. Et pour ceux qui regardent le, la rediff, euh, la rediff euh, sur YouTube, ce live, il est pour vous. Les secrets, ils sont pour vous. Et euh, voilà, c'est un message vraiment pour dire merci, merci, merci d'être là. Euh, si vous souhaitez ben, faire un petit cadeau euh, pour ces trois ans, ben, c'est tout simplement euh, en mettant un petit pouce à cette vidéo, en mettant un commentaire, en parlant un tout petit peu de Nicolas Fon quand vous avez l'occasion. Et puis voilà, c'est déjà une très très belle récompense. Et puis je pense qu'on a encore pas mal d'années encore euh, bien à partager tout ça ensemble, tout simplement. Donc pour le mot de la fin, je vous lis, les amis. Euh, super live de JIPA, bon anniversaire et félicitations pour ton parcours. Merci JIPA, tu faisais partie des premiers. Hâte de faire un stage avec toi, c'est gentil, Tim. N'hésite pas à m'envoyer le mail, du coup. Rémi, merci pour ce live et les conseils, c'est vraiment top, tant mieux. Et tout, en tout cas, Seb, en fait, un petit moment que je te suis, je, je ne commente jamais. C'est la première fois que je te vois en live, ça fait plaisir. C'est senti, Seb. Eh bien, bienvenue. Bienvenue, on va travailler ensemble, tu verras. Il y a plein d'animaux encore à aller voir. Eva, qui fait partie des membres de la chaîne, euh, j'avais lu qu'on pouvait mettre un caillou dans un pot de blaireau pour savoir s'il est utilisé. Tu en penses quoi Je ne connais pas du tout cette astuce, Eva. Je ne sais pas s'ils ont cette, euh, cette volonté de propreté, même dans leur latrine. Aucune idée. On va faire un test, écoute et je te dirai merci bon anniversaire merci Michel c'est très gentil rando un grand merci Nico est un très bon anniv tes partages sont toujours de qualité c'est top c'est gentil euh, en rando en tout cas merci beaucoup pour ces petits secrets perso j'ai bien retenu les 30 minutes l'étude découlée à tester très vite et bon anniversaire de la chaîne j'apprends beaucoup avec toi c'est très sympa gwini bon anniversaire euh... ah zut attendez j'ai merdé dans le voilà plus qu'à sortir les doigts et si je te cache parfois on risque de déranger un peu par oui bien sûr mais on a tous dérangé t'inquiète pas gwini le tout, c'est de ne pas le faire exprès. C'est un live très intéressant comme d'habitude. Merci beaucoup. Alain, j'ai découvert ta chaîne hier. Bienvenue et j'ai déjà pris beaucoup de plaisir et beaucoup appris Merci beaucoup pour ton partage. Julia, merci pour ton live. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Vivement la suite. Merci de ton soutien, Julia. Jérôme, bonjour. J'ai beaucoup appris. Super. Rémi, juste une idée. Tu pourrais peut-être faire une des vidéos en mode calendrier des périodes sorties. De... Bonne idée. Thibaut, merci Nico. Toujours sympa tes lives. Benoît. Euh, Mison, bon anniversaire, je regarderai la redis mais merci à toi, très très chouette chaîne super, merci beaucoup, merci à tous, Eva ça marche ah, en tout cas super live comme d'habitude voilà, ciao ciao je vous dis, allez, à très bientôt et euh, merci, voilà j'ai qu'un mot de la fin, Nicolas Faune je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos mais la nature vous remercie et Nicolas Faune, vous remercie merci d'avoir été là je vous dis à très très bientôt ciao les amis